Bonjour, je vais vous parler des outils de Screencast pour réaliser des capsules vidéo. Alors Screencast, ça veut dire projection d'écran. C'est donc la capture de ce qui est projeté par un ordinateur à l'écran en incluant l'image et le son. Quand un ordinateur veut afficher quelque chose sur un écran, il va générer un flux vidéo. Et c'est ce flux vidéo que l'on va intercepter avec le logiciel de screencast. C'est un peu comme avec un magnétoscope quand on enregistrait la diffusion d'une chaîne à la télévision. Cette fois, on capte ce qui passe à l'écran de l'ordinateur. Le screencast, il a principalement deux utilisations. La première, c'est la démonstration d'un logiciel. Rien de mieux que de capter l'image d'un écran pour arriver à montrer comment fonctionne un logiciel, là où il faut cliquer, les manipulations nécessaires et l'effet généré. On voit directement à l'écran ce qu'il faut faire. On est dans de la démonstration. L'autre utilisation, c'est la capture d'images en direct. Avec les réseaux, on a de plus en plus d'images en direct qui nous arrivent sur un écran. On a de la télé en direct, Netflix par exemple, on a YouTube ou toutes les autres plateformes de distribution d'images. Une visioconférence en temps de télétravail. Et tout ça, ça génère des flux vidéo qu'on peut intercepter grâce au logiciel de screencast. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on peut techniquement intercepter une image qu'on a le droit de le faire et surtout qu'on a le droit de la rediffuser. Attention aux droits d'auteur qui s'appliquent sur toutes les images. Attention aussi, si vous rediffusez des images de personnes, aux droits à l'image. C'est encadré, il vous faut une autorisation. Donc si je résume, le logiciel de screencast, il nous permet de capturer en direct une image, soit pour une démonstration, soit parce que c'est une diffusion en direct d'un moment particulier. Et ensuite, vous transformez ça en une vidéo indépendante. Mais en fait, les logiciels de screencast, ils vont beaucoup plus loin que simplement vous capturer une fenêtre ou une partie de votre écran. Ils permettent en général d'enregistrer un commentaire en direct sur l'image. Et là, c'est très utile lorsqu'on fait une démonstration. On va avoir besoin d'expliquer, de commenter en direct les manipulations qui sont réalisées. Quand vous enregistrez en direct une manipulation ou une discussion, il va y avoir des temps morts. Et sur une vidéo, c'est plutôt ennuyeux. Donc souvent, les logiciels de screencast incluent des options de montage. Ça permet d'arriver à centrer la vidéo qui est générée seulement sur les temps qui sont importants. Et puis on peut imaginer aussi l'insertion d'un certain nombre d'éléments, par exemple un écran noir avec un titre pour séparer différentes parties. On peut également incruster directement sur les images des éléments de texte, voire des images dans l'image. Par exemple on peut imaginer la manipulation avec le visage du commentateur en incrustation dans une petite image à l'intérieur. Et puis pour les logiciels les plus évolués, si on veut par exemple enregistrer une conversation avec plusieurs interlocuteurs, on peut avoir un partage automatique de l'écran en plusieurs zones consacrées à différents flux vidéo. Enfin, selon les logiciels encore, on peut avoir des effets spéciaux qui vont permettre d'améliorer les images, d'améliorer la narration, d'améliorer les transitions entre différentes parties pour faire du screencast il existe de très nombreux logiciels avec chacun leur spécificité et leur interface à vous d'essayer à vous de choisir au moment d'enregistrer cette vidéo les plus connus ce sont camtasia obs screencast o jing webinaria mais il y en a plein d'autres et puis si votre besoin de screencast est réservé à la capture d'une image par exemple sur un navigateur il existe de nombreux modules complémentaires que l'on peut intégrer à l'intérieur de votre navigateur Chrome ou Firefox et qui vont capturer les flux vidéo.